Bonsoir et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui, dans laquelle on va voir comment désactiver la sauvegarde des photos et vidéos sur WhatsApp. Comme vous savez, WhatsApp dispose de la fonctionnalité qui permet de sauvegarder automatiquement sur le smartphone les photos et les vidéos que les contacts envoient, ce qui remplit l'espace de stockage de votre appareil. Cependant, il existe un moyen de désactiver cette fonctionnalité pour soulager l'espace de stockage. WhatsApp est certes bien pratique pour partager ses photos et ses vidéos, que ce soit dans les discussions individuelles ou dans les groupes. Ces photos peuvent rester dans l'historique de conversation et être récupérées très facilement. Cependant, l'application a cette fâcheuse tendance à sauvegarder par défaut les photos et vidéos dans la galerie de téléphone. Ce n'est pas toujours idéal étant donné que les fichiers multimédia reçus via WhatsApp ne valent pas tous la peine d'être enregistrés et gardés précieusement. D'autant plus qu'ils peuvent occuper une sacrée place sur la mémoire des téléphones au fil du temps. Heureusement, il existe un moyen de retirer l'enregistrement automatique des photos et des vidéos. Alors, si vous êtes sur Android, vous allez lancer l'application WhatsApp, après aller sur les trois points verticaux ou à droite, ensuite sélectionner paramètres, dans paramètres, aller dans stockage et données, et nous avons téléchargement automatique des médias. Ici nous avons, en utilisant les données, on clique, en utilisant les données, désactiver donc devant photos et vidéos. OK. En utilisant la connexion Wi-Fi, même chose pour désactiver photos, vidéos. Vous pouvez laisser documents ou audio comme vous le souhaitez, mais ce qui est important, il faut désactiver photos et vidéos et après OK. Et en itinérance, désactiver aussi de vos photos, vidéos, audio, documents OK. Alors si vous êtes sur iPhone, ouvrez WhatsApp sur votre iPhone, appuyez sur réglages en bas à droite, sélectionnez stockage et données dans la section téléchargement automatique des médias, allez dans les rubriques photos puis vidéos et sélectionnez l'option jamais à chaque fois pour désactiver le téléchargement automatique de ces médias, peu importe le type de réseau utilisé. Alors maintenant, les photos et les vidéos envoyées par vos contacts ne seront pas enregistrées automatiquement dans la galerie de votre téléphone et par conséquent, l'espace de stockage de votre appareil sera soulagé. Fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et aussi activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.